bande de démons mafiosos et l'autre gangster parlant. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, il était prévu que pour ce spécial Halloween, que je vous fasse deux jeux et deux jeux d'horreur. Et peut-être un Ouija. Nous verrons. Si vous êtes sage. Si vous êtes pas sage, ben on verra quand même. Ok ? Bon, sans plus tarder, je vous souhaite à tous et à toutes et à tous, c'est mieux, un joyeux Halloween et une bonne nuit de terreur. Allez, on va commencer ce nouvel épisode, ce sera d'horreur. Entendre ces mots sortir de la bouche de votre enfant vous déchire le cœur, d'autant plus quand vous êtes tout aussi terrifié que lui. Ça doit faire maintenant plus de 3 semaines qu'on est caché dans la cave, tous les deux, et que ces monstres sont à l'étage. Je repense encore à leur arrivée dans la maison. C'était au petit matin, je me souviens, les avoir entendus essayer de forcer la porte depuis ma chambre et m'être aussitôt mise à paniquer. Je me suis empressée d'aller réveiller mon fils. Je l'ai pris dans mes bras et je l'ai emmené, puis on est allé s'enfermer dans cette cave. La porte était pourtant fermée et elle l'avait toujours été. Et personne ne venait nous déranger habituellement. On vivait isolés, on ne sortait pas. Et on ne recevait jamais de visiteurs. Et si une autre âme venait jeter son dévolu sur notre maison, c'était forcément mauvais signe. Comment avait-il pu nous trouver? On vivait dans la tranquillité la plus prospère. On ne connaissait personne. Et personne ne nous connaissait. Maman, combien de temps ils vont rester ici? Je ne sais pas, mon ange. Essaye de dormir. Alors que mon fils s'endort dans mes bras, je redouble de vigilance. J'entends le bruit de leurs pas feutrés au rez-de-chaussée et je sais qu'ils n'ont pas encore trouvé notre cachette. Mais pour combien de temps? J'ai fermé la porte de la cave, mais un seul coup de pied à droite suffirait à la faire sauter au vu de sa fragilité. Ils sont terrifiants, je les ai vus. Vous savez, je n'ai jamais été courageuse. Pourtant, pour mon enfant, je serais prête à braver tous les risques. Il y a 3 jours de cela, nous avions épuisé toutes les réserves de nourriture que je gardais au sous-sol en prévision de ce genre de situation. Et n'entendant plus leurs pas fugaces faire grincer le parquet, passé 23 heures, j'en avais donc conclu que ces créatures dormaient la nuit. Et un soir, prenant mon courage à deux mains, le cœur battant à folle allure, j'étais monté pour aller nous rapprovisionner. Il y a beaucoup de choses pour moi. Il était surpris de voir qu'il n'avait pas découvert où je cachais nos vivres. Je me suis ensuite attardé sur leurs provisions à eux. Tous leurs aliments semblaient être emballés, recouverts par je ne sais quoi. Ça n'avait rien de normal. Est-ce qu'ils les mangeaient comme c'était? C'est ce soir-là que j'en ai vu un. J'étais pourtant persuadé que ces bêtes vivaient le jour. Pourtant, alors que je remplissais mon sac avec de la nourriture, j'ai entendu un grincement derrière moi. Je me suis retourné pour me retrouver nez à nez avec l'un d'entre eux. Ça semblait être très petit, celui-ci devait être très jeune. C'était le premier que je voyais de mes propres yeux.
Quand j'étais petite, ma mère me racontait d'horribles histoires sur eux pour me calmer. Elle me disait que ces choses avaient quatre pattes, mais ne se tenaient que debout. Que sur deux d'entre elles, elle disait qu'au bout de chacune de celles-ci se trouvaient cinq excroissances, et qu'il y avait une bouche dans laquelle on pouvait remarquer une absence de seconde mâchoire inférieure. Les faisait paraître à la fois abrutis et à la fois terrifiants. Elle n'avait pas menti, ces choses existaient vraiment. Et j'en avais une en face de moi. Lorsqu'elle a remarqué ma présence, elle s'est mise à crier et j'ai crié en retour. Je pense l'avoir effrayée car elle est aussitôt mise à agiter ses mains horriblement petites avant de s'enfuir pour repartir d'où elle était venue. De mon côté, je n'ai pas cherché à rassembler plus de choses. Je me suis également empressé de redescendre à la cave pour rejoindre mon fils. Maman, tout va bien mon cœur, me revoilà. J'ai ouvert mon sac de provisions et j'ai jeté un lapin entier à mon petit chérubin qui n'en avait qu'une bouchée. Décidément, je ne comprendrai jamais cette coutume humaine de dévorer la viande morte. Je vois bien que ce repas console mon enfant. Son antenne frétille et sa queue remuent dans tous les sens. Ça fait du bien de le voir comme ça. Combien de temps cela va durer? Quand pourra-t-on récupérer notre ancien mode de vie? Si avant sa mort, mon mari avait réussi à chasser leur parasite de congénère de cette maison pour qu'on puisse y habiter, je me dois d'honorer sa mémoire. Si trois jours ils n'ont toujours pas déguerpi, j'irai me confronter à eux, peu importe les risques. Je me motive et je me rassure en me disant que quoi qu'il arrive, moi, j'ai des crocs, des griffes acérées, et eux n'ont que de minuscules mains, au bout desquelles 35 ridicules petits doigts. Mais elle est géniale cette histoire! Elle est complètement géniale! Je sais pas si vous avez saisi. Vous avez saisi? En fait, au pire, où je vous explique, ou devinez par vous-même, mais je vais quand même vous expliquer. En bref, cette histoire n'est pas racontée par une mère normale, une mère humaine, mais une mère, une créature. Ça, c'est bien. Ça, j'adore. Ils sont là. Ils sont là. Les aliens m'ont retrouvé. Ils m'ont retrouvé, je le savais. Le salaud. Bon, bref. On fait une petite pause. On boit un petit truc. Hein. Ouais. Moi, j'ai ce qu'il faut. Par contre, comme j'ai plus de lèvres, c'est pas commode. Désolé si cette histoire est un peu courte. J'ai pas voulu faire trop long parce que j'avais peur que ça vous commence à vous ennuyer et tout. Alors voilà. Et j'espère que j'ai bien articulé et j'ai pas parlé trop vite. Je m'en rends pas très compte. Hein. Voilà. Et bien nous allons commencer le deuxième thread. Oui, le deuxième. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, il y en a un deuxième. Et on se retrouve après une petite pub. Non, je rigole, pas de pub. On va prendre une petite pause. On va faire une vraie petite pause ou je sais pas. Ok, allez, à tout de suite. Ciao.
je vais vous raconter s'est passé quand j'étais enfant. Je vivais chez mes parents. Je ne sais pas si l'un ou l'une d'entre vous a vécu quelque chose de similaire. Si c'est le cas, j'aimerais vraiment que vous m'en parliez. Pour les autres, c'est ceux qui ne me croiront pas, je pense que cela fera une excellente creepypasta. Et vous aussi, vous me direz, mes petits démons, si vous pensez plus que c'est une creepypasta ou alors... Inspiré l'histoire, ouais, hein? Ok. Ouais. Vous savez, quand on est enfant, on fait souvent des choses stupides. Enfin, montrer aux autres qu'on a peur de rien. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. J'étais avec mes amis dans la cour de récréation. Et un d'eux a sorti de son sac un petit livre noir. Il a dit fièrement que c'était le livre de magie de sa mère, que sa mère était une sorcière d'après lui. Putain, je l'ai dit, faut pas faire confiance aux sorcières, même si ta mère c'est une sorcière, faut pas faire confiance, putain, mais... Ils écoutent pas, je te dis, Yarbi, Yarbi. On avait une dizaine d'années, et j'adorais ce qui était surnaturel. Et je lui ai demandé si c'était un vrai livre, et il m'a répondu que oui, et que sa mère avait expliqué qu'il y avait à l'intérieur un rituel capable de faire venir un démon. On était épatés, je vous rappelle qu'on était encore jeunes. Une de mes amies a dit qu'on n'était pas capable de faire ce rituel le soir même, que lui, il n'avait pas peur et qu'on devait se retrouver pour le faire ensemble, et c'est ce qu'on a fait. J'avais demandé à ma mère si je pouvais sortir chez Lucas. Et elle était d'accord, donc on s'est retrouvés à 3h. Lucas, on va changer les noms. Lucas, Michael et moi, on s'était mis par terre. Et on avait posé le livre devant nous, et on avait éteint les lumières, et on avait juste nos lampes de poche pour éclairer le petit livre. Lucas ne voulait pas qu'on y touche, donc c'est lui qui a choisi le rituel, et sur la page, on pouvait voir un homme tout tordu, sa tête sur le côté, mais le plus effrayant, c'était le long bras tout tordu, dans des sens improbables, et surtout des voix tout aussi tordues, bizarrement. Donc à voir cette image, j'avais un peu peur, je me disais que si cette chose qui allait venir, plus jamais je ne pourrais dormir. Mais bien sûr, je n'ai rien dit aux copains. Je ne voulais pas paraître pour un froussard. Le visage... Mais... Le visage de Michael était tout aussi plein d'angoisse que moi. Lucas a été chercher des bougies et les a placées autour de nous. Puis il a dit qu'on devait répéter après lui les paroles que jamais je ne les oublierai. Un jour un homme tordu sur un sentier tout tordu trouva une pièce tordue tombée sur un caillou tordu, acheta un chat tordu qui piégea une souris tordue. Ils ont vécu ensemble dans une petite maison tordue. Je sais que ce que vous pensez, ces paroles n'ont absolument rien de terrifiant et je suis d'accord. C'est juste les paroles d'une comptine, on les a répétées à 6 fois, je crois. Quand les bougies se sont mises à s'éteindre, toutes à la fois, puis nos lampes de poche ont commencé à grésiller et à s'éteindre. On n'osait plus bouger, puis on a entendu des pas qui venaient dans nos directions. Puis il y avait une voix très grave qui a dit les autres paroles. Tordu. Il s'avança sur ses jambes tordues et fit retentir sa cloche tordue et son âme tordue plongea dans un enfer tordu. Quand il a... La voix était proche de nous, on s'est relevé à toute vitesse, on a essayé d'ouvrir la porte mais elle était fermée. On n'arrivait pas à ouvrir, on a hurlé puis on a entendu des bruits, des greffures sur la vitre de la chambre quand on s'est retourné. Et il y avait la silhouette d'un homme grand et tordu, avec de longs bras et ses mains qui frottaient la vitre.
et nos hurlements ont doublé en intensité. On donnait des coups de poing dans la porte et l'homme tordu avançait lentement vers nous en sifflotant la comptine. Puis d'un coup, la porte s'est ouverte et les parents de Lucas sont entrés dans la chambre et ont allumé la lumière. On a regardé en arrière et il n'y avait rien. On ne comprenait pas comment c'était possible et on a essayé d'expliquer tant bien que mal ce qui nous était arrivé, sauf que les parents de Lucas ne nous ont pas cru. Ils nous ont dit de nous coucher. Bien entendu, Michael et moi, on ne voulait pas dormir chez Lucas. On a donc demandé à nos parents de venir nous chercher. Mon père est arrivé un quart d'heure plus tard et je suis monté dans la voiture. Et il m'a demandé ce qui s'était passé et je lui ai expliqué. Il s'est alors mis à rire. Évidemment. Et il m'a dit que j'avais sans doute fait un cauchemar, que les démons ou autres créatures n'existaient pas. Quand je suis arrivé chez moi, mon père m'a conduit dans ma chambre, il m'a rassuré et il m'a laissé la lampe de chevet allumée avant de sortir de la chambre. Et j'ai fini par m'endormir, mais je me sentais beaucoup mieux chez moi, plus en sécurité. Durant la nuit, je me suis réveillé, j'avais très soif. Je me suis aperçu que ma lampe de chevet était éteinte. Je me disais que c'était mon père qui a dû venir l'éteindre. Et j'ai regardé l'entrée de ma chambre et mon cœur a fait un énorme bond. Il y avait une forme étrange. On aurait dit un homme avec un chapeau dans une posture très étrange. Mais il était immobile et je suis resté comme ça, moi aussi. Immobile en essayant de retenir mon souffle pendant quelques minutes. Et la forme a disparu. Elle est descendue en s'agitant bizarrement, mais je ne voulais plus quitter mon lit. Mais la soif était trop forte et j'ai appelé mon père à haute voix, mais il n'a pas répondu. Je me suis donc décidé de me lever au lit et j'ai remarqué doucement vers les escaliers et j'ai regardé attentivement il n'y avait rien et est donc descendu doucement et en arrivant en bas j'ai trouvé une pièce sur le sol. Je me suis baissé pour la ramasser, elle était très belle. J'ai regardé partout autour de moi, juste en face, et il y avait une autre, puis une autre et encore une autre en face de moi. Je les ai suivis en les ramassant, je faisais un chemin jusqu'à la cuisine, cuisine où mon père se trouvait dans le noir. Face à la fenêtre, immobile. Il me regardait sans bouger et je lui ai dit que j'avais trouvé des pièces et il a tendu le bras, toujours sans dire un mot, mais un sourire très étrange est apparu sur son visage et son doigt s'agitait dans tous les sens. Et je me suis approché doucement et je me disais que c'était mon père, que je ne devais pas en avoir peur, mais il était tellement bizarre. Alors que je m'avançais vers lui, j'ai entendu la porte se fermer et je me suis retourné pour regarder la porte qui était bien fermée. Je ne savais pas comment. Quand je me suis retourné pour regarder mon père, celui-ci était en train de se tordre dans tous les sens. Ses bras s'agitaient bizarrement, sa tête faisait des angles improbables. J'entendais des craquements de ses os, plein de pièces d'or tordues tombaient de ses poches, j'ai crié. Et de peur, puis d'un coup, mon père s'est immobilisé, tête baissée, ses bras étaient en l'air, tordus, ses doigts étaient écartés également tordus, et il est resté immobile, ainsi, pendant au moins 2 bonnes minutes. Ça m'a paru une éternité, et j'ai essayé de reculer en faisant le moins de bruit possible. Et j'ai essayé de tourner la poignée de la porte, mais celle-ci ne voulait pas s'ouvrir. Chose étonnante, car il n'y avait pas de serrure ou de verrue sur cette porte. J'ai entendu mon père qui semblait pleurer, je me suis donc approché doucement pour voir s'il était blessé. Celui-ci était toujours immobile, j'ai tendu mon bras pour toucher un de ses doigts tordus, et quand je l'ai touché, il a levé sa tête vers moi, mais ce n'était pas le visage de mon père. C'était un homme sans œil, ni de nez. Et il n'avait qu'une grande bouche
pleine de dents pointues et ensanglantées. Du sang coulait de sa bouche, et il a hurlé la comptine que j'avais entendue chez Lucas en marchant d'un pas bizarre. Tordu. C'était l'homme tordu, le Croquette Man. J'ai hurlé aussi fort que je pouvais et j'ai foncé dans la porte pour l'ouvrir. Celle-ci s'est ouverte brusquement, tellement brusquement que je me suis tombé. J'entendais les pas de l'homme tordu approcher en chantant son horrible chanson. Je me suis couvert le visage pour ne plus le voir et surtout pour ne pas le voir me tuer. Un de mes parents sont arrivés en courant et j'ai entendu ma mère hurler et mon père, cette fois-ci mon vrai père, a couru m'attraper pour me porter et on est sorti de la maison en courant. L'homme tordu nous suivait. Et mon père a démarré. On pouvait voir l'homme tordu au loin qui essayait de nous suivre avec ses pas étranges. Quelques minutes plus tard, ma mère a reçu un coup de fil. C'était la mère de Lucas qui nous disait qu'on allait peut-être recevoir la visite d'un homme tordu bizarre, qu'elle allait le faire partir immédiatement. Ma mère lui a expliqué qu'on venait juste de le voir, qu'elle n'aurait jamais pensé voir ça un jour, elle qui ne croyait pas au paranormal. Je n'ai plus jamais revu l'homme tordu après cette horrible journée. Et je n'ai plus jamais touché après ça un objet ou un livre proposé de jouer avec les démons ou esprits, car maintenant je sais que cela existe. Et je vous mets en garde, n'invoquez jamais l'homme tordu. J'ai eu de la chance, mais j'ignore si vous en aurez aussi. Pardon. Bravo. Je félicite. Alors, vous avez aimé? J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez aimé et que vous allez autant regarder ces deux threads que du thread précédent que j'ai fait sur qui date de vidéos précédentes. Grâce à vous, j'ai atteint les 86 vues. Bon, vous allez m'apprendre, vous allez me connaître que moi je ne cherche pas vraiment le buzz. Bon, tous les youtubeurs cherchent le buzz. Mais pour les rageux et tout, ceux qui veulent aiment critiquer, dites ce que vous voulez. Oui, je cherche un peu le buzz, mais comme tout le monde. Tout le monde cherche le buzz. Donc voilà. Encore un petit coup, hein. Voilà, oui, trop. J'espère que ces deux threads vous auront plu. Moi, je les ai beaucoup appréciés, comme le précédent sur la SCP. J'ai beaucoup aimé. Et ceux-là aussi. Bon, ceux-là, ils ont l'air beaucoup plus fictifs, mais ils sont pour moi intéressants. Et j'espère que vous m'aurez bien entendu dans la vidéo, que j'aurai bien articulé et pas parlé trop vite. Si j'ai mâchouillé un ou deux mots, excusez-moi, j'avais pas revu le texte. Eh bien, on se retrouve tout à l'heure pour les deux jeux d'horreur et peut-être pour une séance de Ouija. Par contre, la séance de Ouija, je pourrais pas la faire en live, ça marche pas, donc je vous le ferai en vidéo. Voilà. Ok. Et j'espère qu'il y a un démon qui va me répondre. J'espère qu'il y a un de mes frérots qui va répondre, parce que sinon, moi, Diablo, Tonton Jojo, comme on m'appelle là-bas, il va s'énerver. Comme ça. Bon allez, à toute et joyeux Halloween. Comment ça sur ses jambes tendues et... Je suis un fou co pas deux.